Prologue. Il s'appelait Carlos, Carlos Casagemas. Je peux dire son nom. L'histoire est connue. Carlos était espagnol. Il était peintre. Il était l'ami de Picasso, qui n'était pas encore Picasso à l'époque. Tous deux partageaient un atelier à Barcelone. Ils n'avaient pas 20 ans lorsqu'ils décidèrent d'aller à Londres, en passant par Paris. C'est Carlos qui finança en grande partie le voyage. Ils n'allèrent pas plus loin que Montmartre. Cela se passait en 1900. Installés au bateau lavoir, Odette et Germaine étaient leurs voisines. Pablo sortit avec Odette, Carlos tomba amoureux de Germaine. Née Laure Gargallo, celle-ci était devenue Germaine Florentin après s'être mariée lorsqu'elle était mineure. Mais pourquoi avoir changé aussi de prénom? Qu'était-il arrivé à Laure et au sieur Florentin? Mystère. Germaine conserva son nom de guerre et s'inventa la vie qui allait avec. Laure avait disparu et on n'entendit plus parler d'elle. Germaine était blanchisseuse et couturière. Sinon, elle était danseuse au Moulin Rouge et posée nue pour les peintres, dont Pablo et Carlos. Jolie, le visage effronté, la taille fine et la poitrine avenante, elle avait de grands yeux, la bouche charnelle, des joues enfantines et une chevelure épaisse et bohème qui donnait l'impression qu'elle sortait tout le temps d'un lit, avec quelque chose de sombre et de sauvage dans le regard, d'animal. Muse, modèle et amante, Germaine ne semblait pas farouche tout en ayant l'air. C'est ce que suggère une photo qui la montre, vêtue d'une robe noire, ajourant sa gorge, regardant bien en face l'objectif, de trois quarts assise sur une pelisse dans laquelle ses doigts s'entortillent de façon presque équivoque, en plus de suggérer le froid qui pouvait régner dans l'atelier. Carlos prit-il cette photo? Pablo? Nul ne le sait. Dommage. Carlos s'est pris de Germaine comme un homme désire de toutes ses forces son malheur et trouve la femme idéale pour mener à bien son projet. Il était impuissant. Il souffrait de dysfonction érectile, dirait-on aujourd'hui. Était-ce physiologiquement rédhibitoire ou la vérité de son désir lui échappait-elle encore? Aimait-il Germaine plus platoniquement qu'il ne le croyait? Souffrait-il d'anxiété anticipatrice, comme parfois les jeunes gens, d'autant plus devant une femme qui en valait deux? Car Germaine n'était pas du genre à faire du sentiment sans y mêler le sexe. La frustration n'était pas son fort, et qu'un homme ne soit pas à la hauteur la dépitait, franchement. La barbait sitôt, la rendait nerveuse, moins certaine de sa féminité si celle-ci dépendait du désir des hommes. Qu'avait-elle à faire d'un amant s'il était un enfant? S'il ne pouvait la prendre et la faire jouir, ni elle le tenir par les couilles. Voici qu'elle se sentait peut-être désarmée, rejetée, humiliée. Voici que son corps n'avait plus aucun pouvoir à exercer, ni sensations à éprouver, nul moyen de subsistance. Que Carlos ne puisse la satisfaire ne pouvait lui convenir. Et elle ne s'en cacha pas, sans trop d'égards peut-être. En pouffant peut-être devant pareille déconfiture, ne pouvant s'en empêcher, tout en s'excusant, une main devant la bouche, tout ça nerveusement. Et quoi, pas la peine d'être plus cruel que la vie elle-même. Pas besoin de châtrer ce qu'il était déjà. Carlos ne pouvait tomber mieux, ou pire. Il avait trouvé son mur, déjà. Il se persuada qu'il n'était pas un homme, selon l'idée que les hommes s'en font d'après les femmes. Il se mit à boire, harcela Germaine, persista à voir en elle l'or qu'elle ne voulait plus être, rampa, s'avilit, désespéra, sombra, se haït, but encore plus. Ainsi pendant des mois. Le 17 février 2001 était un dimanche, il faisait froid, très froid. Fin janvier, les températures étaient descendues jusqu'à moins 11 degrés à Paris, et voici que ça remettait ça. Le chauffage n'était pas central à l'époque et on grelottait. La reine Victoria venait de mourir, et le supplément illustré du petit journal étalait pleine page le grand cercueil de celle qui avait donné son style et sa morale au siècle précédent, veillée par 5 Welsh Guards en tenue d'apparat rouge et haute coiffe noire en poil d'ours. Trophée de Waterloo, arraché aux grenadiers français. Le dessin était spectaculaire. Il disait que la reine était morte et avec elle le 19e siècle, son style et sa morale. Des temps nouveaux s'annonçaient. Un siècle inconnu, piaffé d'entrer dans l'histoire et de se faire un nom. Carlos vit-il ce dessin? L'apprécia-t-il en tant que peintre? L'idée de funérailles grandiose pour s'inventer un avenir l'imprégnait-il lorsqu'il convida ce soir-là Germaine, ainsi que 5 de leurs amis, peut-être coiffés de poils d'ours, au café de l'Hippodrome situé 128 boulevard de Clichy? D'aucuns disent que ce fut au café La Rotonde à Montparnasse. Une chose est certaine,
Le repas allait son cours lorsque Carlos se leva, sortit un pistolet de sa poche et, tel un anarchiste attendant la reine, tira à bout portant sur Germaine. Mais il la manqua, on ne sait trop comment, bien qu'il semble avoir blessé Germaine superficiellement. Même avec un pistolet, il était piètre tireur. Ce fut peut-être l'ultime goutte d'eau. Germaine s'étant réfugiée derrière un convive, ou selon les versions jetées sous la table, Carlos retourna l'arme contre lui et se tira une balle dans la tempe. Cette fois, il fit mouche. Il avait 20 ans. Picasso n'assista pas au drame. Il était brièvement retourné en Espagne. C'est là qu'il apprit que son ami s'était brûlé la cervelle après que Germaine la lui eut dévorée toute. Rentré à Paris, il se fit raconter les détails. Peu après, il peigna une petite huile sur bois d'un format 29,6 × 34,8 cm, représentant Carlos allongé dans son cercueil, une méchante tache sombre à la tempe, veillée par la flamme d'une bougie en forme de vulve. Flamme tourmentée à la Van Gogh, flamme peinte qui jamais ne s'éteindrait. Picasso conserva toute sa vie par-devers lui cette huile sur bois, en dépit des déménagements, des amours, des deux guerres, des aléas innombrables, sans parler de son œuvre, des milliers de tableaux. On ne découvrit l'existence de cette toile qu'après sa mort. Cela faisait 72 ans que son ami avait mis fin à ses jours et son souvenir, quoique dissimulé au regard, ne l'avait pas quitté, le suivant partout. L'histoire ne s'arrête pas là. Car tout de suite après le suicide de son ami, Picasso se mit à peindre en bleu. Comme si la vie avait perdu ses mille et une couleurs. Comme si, entre lui et toute chose, se superposait désormais un filtre tristement bleu. Infiniment bleu. Bleu suicide. Comme si, du suicide de son ami, Picasso n'avait pu faire autrement que de lui donner une couleur, et réciproquement, que le suicide de Carlos avait inventé une nouvelle couleur dans l'univers. Certains événements sont un tournant dans nos existences. Certains événements font de nous leur obligés et nous contraignent à voir les choses dans leur lumière, de façon unilatérale. C'est ainsi que Pablo devint, picturalement, Picasso. Cette période bleue, comme la nomment les spécialistes, dura 4 années, de 1901 à 1904. « Quand je n'ai plus de bleu, je prends du rouge », a dit un jour Picasso à propos de tout à fait autre chose. Mais c'est l'exemple du bleu qu'il prit. Après la mort de Carlos, Germaine devint la maîtresse de Pablo. Exit Odette. C'est la partie de l'histoire que je préfère, celle qui ouvre un abîme de complexité, de tendresse indicible, de vaudeville mêlée de perversité, d'incrédulité, de cruauté, de folie. De quoi ? On les imagine au lit, et en tous les cas, moi, je les imagine au lit, avec le fantôme de Carlos flottant dans la pièce, les regardant peut-être fixement depuis le plafond, se glissant peut-être dans le lit avec eux. L'amour physique comme remède à la mort comme intense aphrodisiaque, le cher disparu comme invention des amants, ou rien de cela. La liberté et l'insouciance, la jeunesse, les corps livrés à eux-mêmes, l'appel des sens, la proximité faisant les larrons, le cirque humain tout simplement, le besoin de tendresse tout simplement, le désir de se tenir chaud par des températures de moins 11 degrés. Cependant, nombreux furent ceux qui, dans leur entourage, désapprouvèrent cette situation, la jugeant malsaine et dégoûtante, une trahison. Relayée par les réseaux soi-disant sociaux, la réprobation ferait probablement le tour du monde de nos jours, mais ce n'est pas parce qu'elle a trouvé un moyen de se faire entendre que la majorité cesse d'être silencieuse. De toute façon, que ne dit-on contre les vivants en mémoire des morts ? Pablo et Germaine n'en restèrent pas moins ensemble. Germaine apparaît dans plusieurs tableaux de la période bleue, en saltimbanque, en femme assise avec un châle, en danseuse, accoudée au lapin agile en compagnie d'un arlequin. C'est elle, sur la gauche du tableau intitulé « La vie », qui enlace Casagemas, regardant sombrement sur la droite une femme qui tient un bébé dans ses bras. En 1904, Picasso rencontra Fernande Olivier. Ce fut le début de sa période rose. La vie venait de reprendre une jolie couleur. Peu après, Germaine épousait Ramon Pichot, un autre peintre catalan, plus vieux qu'elle, mais d'une belle prestance. Ensemble, ils ouvrirent un restaurant à Montmartre qu'ils baptisèrent « La Maison Rose », comme un fait exprès, comme un manque d'imagination, comme on marche dans les pas de quelqu'un qui s'éloigne, sans pouvoir aller où il va. Située aux deux rues de l'Abreuvoir, la façade est demeurée d'un rose incontestable, avec des volets désormais verts criards, mais ce n'est qu'une façade aujourd'hui.
Avec toutes ces émotions, après tant d'événements houleux, bizarres et intenses, peut-être parce qu'il y avait eu mort d'homme et que s'achevait ici sa tentative de vivre sa vie, Germaine disparut comme elle était arrivée. Laure refit son apparition. C'est elle qui reprit nommément les commandes. La fête était terminée. Adieu le nom de guerre. Enterrer la hache. Officiellement, la paix était déclarée, et c'est de Germaine, cette fois, dont on n'entendit plus parler, plus parler. Officieusement, de se trouver bourgeoisement installée ne calma pas la persévérance souterraine de celle qui avait repris son nom de baptême. Elle fit tourner le beau et vieux Ramon en bourrique, comme tant d'hommes avant lui, toujours volage à ce qu'on dit, tout à fait séductrice, à jamais éperdue. 40 ans plus tard, François Gillot, l'avant-dernière compagne de Picasso, Françoise Gillot, raconta que Pablo l'emmena un jour rue des Saules, dans le vieux Montmartre, voir une vieille femme qui gisait sur son lit, seule, maigre, malade et édentée. Picasso s'approcha de la pauvre chose alitée, lui dit quelques mots à voix basse, laissa un peu d'argent sur la table. Je veux vous apprendre ce qu'est la vie, dit Picasso à Jacqueline, une fois dehors. Cette femme s'appelle Germaine Pichot. Quand elle était jeune, elle était très belle et elle a tellement fait souffrir un ami peintre qu'il s'est suicidé. Elle en a fait tourner des têtes. Et maintenant? Peu après, mourait Laure, où était-ce Germaine? De la syphilis. C'était en 1948. Elle avait 68 ans. Au même moment, George Orwell faisait paraître 1984, mais cela n'a rien à voir. Cette histoire ne m'appartient pas, mais j'aurais pu en faire un roman, un scénario, un biopic, un grand film, une fresque du tonnerre. J'aurais pu en faire toute une histoire, la mienne, à quelques détails près, en misant sur le prestige des protagonistes, l'aura d'une époque mal connue et cependant charnière, les mystères de la création, les liens entre l'art et la vie, etc. Sans oublier l'amour et le sexe, l'amour sans le sexe et l'amour avec le sexe, l'amour et la mort, le sexe et la mort, etc. Cela aurait donné un magnifique portrait de femme, comme on dit. Avec une reconstitution d'époque aux petits oignons, propre à soulager de la nôtre tout en la valorisant. Rien de plus flatteur pour le présent que la nostalgie qu'il éprouve pour un passé dont il a triomphé. Et puis des scènes fortes, la vie de bohème, le dîner à l'hippodrome, Pablo et Germaine au lit avec le fantôme de Carlos, avec un casting 5 étoiles, quelle star dans le rôle de Germaine, etc. Avec en toile de fond, le sort des émigrés venus dans notre beau pays sans le sou et des rêves plein la tête, en l'occurrence des Espagnols, histoire de faire écho à la situation actuelle et pour pas cher, émouvoir tout en donnant à réfléchir. Prévoir une scène de racisme ordinaire. Des amis de Pablo et Carlos leur expliquant qu'ils avaient été refoulés à Calais puisqu'ils voulaient initialement aller à Londres. Cela aurait été bel et bon. Cela aurait été parfait. Le succès me tendait les bras, sachant qu'on a plus de chances de l'obtenir selon les termes de la société que selon ses propres termes. J'aurais été merveilleusement dans l'air du temps. J'aurais sans scrupule exploité la réalité, cette matière première à ciel ouvert. On aurait cru que je parlais de Carlos et de Pablo et de Germaine, alors que je n'aurais fait qu'abuser d'eux. Alors que les histoires appartiennent d'abord à ceux qui les vivent, alors que ce sont les autres qui s'invitent dans nos existences, pas le contraire.